J'ai quand même mal vécu différentes étapes de cette campagne interminable. J'ai mal vécu les primaires annulées. J'ai mal vécu mon exclusion expéditive. J'ai mal vécu le refus du débat démocratique. Et puis j'ai surtout mal vécu, très mal vécu, les insultes, les injures, les attaques subies durant cette semaine. Voilà, donc ce fut un moment pénible, mais ce fut aussi, étrangement peut-être, un moment aussi intense, souvent de bonheur, parce que j'ai eu des échanges extrêmement riches, des rencontres parfois inattendues, mais beaucoup de soutien, beaucoup d'encouragement, et puis beaucoup de citoyens qui venaient me dire eh bien, on retrouve un sens finalement à notre carte électorale. Donc c'est en cela je suis heureux de ce moment de vie politique. Donc quoi qu'il arrive ce soir, aucun regret finalement sur... Non, aucun regret. Aucun regret. Je vous l'ai dit, pour moi, l'expression démocratique d'aujourd'hui, c'est déjà une victoire parce qu'elle aura permis aux Rochelais, aux Rétés, d'éviter le ridicule qu'on voulait leur imposer, une candidature unique, avec ce diktat de Paris insupportable. Bien, ils ont eu la possibilité de choisir. Ensuite, ils décident, la souveraineté appartient au peuple. Eh bien, on attend maintenant les résultats. Mais en tout cas, je leur aurais permis d'avoir le droit de choisir, comme je l'avais dit, ici à Nieul, le 2 décembre dernier.